Je hais l'ignorance, la petitesse de l'imagination, l'œil qui ne voit pas plus loin que le bout de ses cils. Tout est possible. Ce que vous êtes n'est limité que par ce que vous croyez être. Il y a plus de 3000 ans, dans le Livre des Morts, les anciens Égyptiens exprimaient leur vision du monde. Elle mêlait la sagesse, l'infini des possibles et une telle détermination à remodeler leur environnement qu'elle nous surprend encore aujourd'hui. Dans un désert hostile et aride, les anciens Égyptiens ont érigé des monuments à la gloire de leurs dieux et de leurs souverains. De la toute première pyramide au plus majestueux des mausolées, en passant par une étonnante créature surgie du sable du désert, les paysages d'Égypte ont été façonnés par des ressources naturelles d'une infinie richesse. Des constructions monumentales qui défient l'imagination. Et une dévotion spirituelle incomparable. Cet héritage reste omniprésent malgré l'invasion du pays par des peuples du monde entier et la succession des empires au fil des millénaires. Aujourd'hui encore, la nécropole de la 4e dynastie sur le plateau de Gizeh reste au cœur du mystère égyptien et de la fascination qu'il suscite. Elle est le symbole absolu du pouvoir, à une échelle presque impossible à concevoir pour l'époque. La pyramide de Khéops est la demeure éternelle de l'âme égyptienne. D'après les archéologues, la grande pyramide de Gizeh serait le tombeau du pharaon Khéops qui aurait régné sur l'Égypte 2600 ans avant notre ère. Elle dépassait à l'origine les 146 mètres, mais n'en mesure plus que 137 aujourd'hui. Pendant près de 4000 ans, elle est restée l'édifice le plus haut du monde. La construction aurait duré une vingtaine d'années et elle aurait nécessité une main-d'œuvre d'environ 10 000 hommes. D'après les estimations, la pyramide compterait plus de 2 millions de blocs de pierre, certains issus de carrières lointaines, comme celle d'Aswan à 800 km au sud. À l'intérieur de cet édifice colossal de près de 5 millions de tonnes se cachent trois chambres funéraires. La plus grande, au centre de la pyramide, est la chambre du roi. En dessous, une deuxième chambre est sans doute destinée à accueillir la dépouille de la reine. Et enfouie en profondeur sous la grande pyramide, se trouve une galerie menant à une chambre souterraine inachevée. Les raisons de son existence et sa fonction restent un mystère. Des monuments plus petits entourent la pyramide du pharaon. Au sud-ouest, on peut voir celle de Khéphren et de Mykérinos, le fils et le petit-fils de Khéops. À côté, gisent les ruines d'au moins trois pyramides destinées à des reines. Et à leurs pieds se dresse une énigme. Une
une statue qui représente un lion à tête d'homme. Elle est orientée vers l'ouest. Le sphinx est un monolithe sculpté dans un seul et même bloc de pierre. Le visage représenterait le pharaon Khéphren, pour qui la statue a probablement été réalisée. Elle mesure 73,50 m de longueur et plus de 20 m de hauteur. On ignore dans quelles conditions elle a été créée. Les hypothèses sont nombreuses. Pour certains, elle renfermerait des chambres funéraires encore jamais exhumées. D'autres affirment qu'elle s'aligne avec les étoiles de la ceinture d'Orion à un instant précis de l'année. Sans oublier ceux pour qui elle représente le dieu chacal Anubis. En l'absence de preuves ou de consensus à son sujet, le sphinx de Gizeh conserve à ce jour tous ses secrets. Il continue d'inspirer les voyageurs et les rêveurs du monde entier, au cœur d'une ville où esprit et religion sont encore profondément ancrés. Voici le quartier copte du Caire. Ces églises accueillent les chrétiens coptes d'Égypte depuis plus de 1500 ans. La charpente voûtée de la Moualaka, l'église suspendue, reproduirait la forme de l'arche de Noé. Sa porte richement ornée en fait l'un des monuments les plus reconnaissables de ce quartier du Caire. Tous les dimanches, les Coptes assistent à la messe, en arabe ou dans une langue dérivée de l'égyptien parlé à la fin de l'Antiquité. Rattachée à tort à l'orthodoxie, sans doute en raison de leurs rites similaires, l'église copte est dirigée par un primat et dispose de ses propres ordres monastiques. Près de l'église suspendue gisent les ruines de la forteresse romaine de Babylone. Ces vestiges témoignent des multiples influences du Caire et de la richesse de son histoire. Ancien poste de l'armée romaine, la forteresse se dressait au bord d'un canal qui reliait la mer Rouge au Nil par les terres. Ce canal a depuis longtemps disparu. Les chrétiens, les romains et les grecs ont marqué l'histoire de l'Égypte. Mais le Caire est avant tout la ville aux 1000 minarets. Car ici, une religion a façonné l'identité des habitants plus que toutes les autres, l'islam. Et une mosquée en particulier est le berceau de la religion musulmane en Égypte. La mosquée Amir ibn Alas est le plus ancien lieu de culte musulman du pays et de toute l'Afrique. Érigée à partir de l'an 642, peu après la naissance de l'islam, elle occupe une place unique dans l'histoire de la foi musulmane. Les Égyptiens pratiquent un islam modéré.
90% de la population est musulmane et majoritairement sunnite. L'Égypte est l'un des pays moteurs de la civilisation arabo-musulmane. Elle a joué un rôle majeur dans le réveil du monde arabe au XIXe siècle. Vendredi est le jour de la prière. Les fidèles se rassemblent et des congrégations d'hommes se forment, comme ici à la mosquée Al Hussein. Quand ils sont trop nombreux, ils se regroupent dans les rues autour du bâtiment. Ensemble, ils écoutent la prière du vendredi, appelée Jumu'ah en arabe, et se recueillent. Puis ils se séparent et disparaissent dans les rues noires de monde de cette ville en pleine effervescence. La prière du vendredi est une pratique extrêmement importante pour les musulmans. À 45 km à l'est de la vieille ville du Caire, le même rite se pratique avec une dévotion égale. Mais cette fois, la prière a lieu dans un contexte qui incarne l'avenir et l'Égypte de demain. Ces rues ne grouillent pas de piétons et de véhicules. Personne ne vit ici pour l'instant, car le site n'est qu'un immense chantier en construction. Une nouvelle capitale administrative est en train de s'élever en périphérie du Caire. En son centre se dresse déjà un monument éblouissant, la mosquée Al-Fatah Al-Alim. Ces quatre minarets de style fatimide mesure près de 100 mètres de hauteur. Ils encadrent un bâtiment central conçu pour abriter 17 000 fidèles. C'est la plus grande mosquée du continent africain à ce jour. Elle a été inaugurée le 6 janvier 2019 par le président Al-Sisi, le même jour que la nouvelle cathédrale également érigée sur le site. La cathédrale de la Nativité est la plus grande église copte orthodoxe du Moyen-Orient. Elle peut accueillir 8000 personnes. Un nouveau lieu de culte bienvenu dans un pays où un Égyptien sur 10 adhère à la religion copte. Depuis ses origines, au début du IVe siècle, la ville du Caire a sans cesse changé et évolué, à l'instar de l'Égypte. Aujourd'hui, elle se réinvente une fois encore. Et elle le fait dans la démesure, pour renouer avec son passé grandiose. Les Égyptiens unissent leurs forces pour construire le pays de demain, tout en restant fidèles à leurs traditions et à leurs racines. Cette nouvelle capitale administrative est l'incarnation de leur désir de modernité. Cette vue du plateau de Gizeh
n'est pas donnée à tout le monde. Elle est même très rare. Cette image d'un lieu intemporel et isolé ne reflète pas la réalité. Le site est extrêmement fréquenté toute l'année et les cars déversent leur flot de touristes au pied des pyramides. Pour bien comprendre comment le passé et le présent sont intimement liés, rien ne vaut une plongée dans les rues de la capitale où se joue un combat quotidien, se rendre du point A au point B. Au Caire, les embouteillages sont légendaires. Pour les automobilistes, c'est sans aucun doute un enfer. Mais vu du ciel, le chaos cède la place à l'émerveillement et à une surprenante harmonie. Circuler au Caire offre un regard unique sur la ville. Son architecture mêle des monuments très anciens et des constructions contemporaines. Les gratte-ciels et les immeubles d'habitation modernes côtoient des merveilles historiques comme la mosquée et la madrassa du sultan Hassan. Érigée pendant l'épidémie de peste noire qui a ravagé l'Europe et l'Afrique du Nord, elle est un hommage somptueux aux Mamelouks, une dynastie dont les 49 sultans ont régné sur l'Égypte du XIIIe au tout début du XVIe siècle. La mosquée Mohamed Ali est tout aussi éblouissante. Elle a été construite à la gloire de celui qui est considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne, le vice-roi Mehemet Ali, qui a régné sur le pays de 1804 à 1849. Et le long de ce grand axe, les automobilistes pris dans les embouteillages peuvent admirer au passage l'une des portes des anciens remparts de la ville. Avec ses millions de véhicules qui traversent le Caire tous les jours, la capitale égyptienne atteint des niveaux de pollution records. Des travaux ont été entrepris pour fluidifier le trafic, protéger les monuments historiques et redessiner la ville. La petite ceinture périphérique, longue de 40 km, la future route de Choubra-Banna alors, permettra aux véhicules d'éviter le centre-ville au lieu de le traverser. La grande ceinture, l'axe Rhodes Al-Farraj, reliera les banlieues nord-est et ouest et contournera entièrement la ville. Afin de mettre en œuvre ces projets d'amélioration, les urbanistes doivent composer avec un élément majeur dans la géographie du Caire, le Nil. Pendant des milliers d'années, le Nil a été la principale voie de transport des hommes et des marchandises. Lors de la construction des pyramides, le chameau n'était pas encore domestiqué. Pour se déplacer, il fallait emprunter un bateau sur le fleuve, enfourcher un âne ou tout simplement marcher. Encore aujourd'hui, le Nil reste une artère essentielle pour l'économie du pays.
Il est régulièrement emprunté par des felouks traditionnels, des porte-conteneurs modernes et des bateaux de plaisance. Comme dans l'Antiquité, les bateaux jettent encore l'ancre sur ses rives après la pêche de la journée. Et ces poissons recouvrent encore les étals des marchés. Certains des monuments emblématiques de la ville se dressent au bord du Nil, comme la tour du Caire. Du haut de ses 187 mètres, elle domine l'île de Gezira, sur laquelle elle est érigée. Elle est recouverte d'un tressage et son sommet représente une fleur de lotus, symbole de naissance et de renaissance dans l'Égypte pharaonique. Malgré les dimensions imposantes de la tour du Caire, le Nil lui fait de l'ombre. Longtemps considéré comme le plus long fleuve au monde, il mesure en réalité 140 km de moins que l'Amazone au Brésil. Les richesses du Nil semblent infinies. Il fournit aux Égyptiens 95% de leur eau potable. Pendant des milliers d'années, dompter cette ressource essentielle a été la principale préoccupation des souverains du pays. Cela a souvent nécessité de dévier les précieuses eaux du fleuve vers le centre de la ville. La majorité des canaux qui traversaient le Caire sont depuis longtemps à sec. Cependant, ils ont laissé des traces indélébiles. Voici le Sabil Koutab de Katkouda, au cœur du quartier musulman du Caire. Ce joyau de l'architecture ottomane servait autrefois d'école, mais aussi de fontaine publique. Ouverte sur trois côtés, la fontaine puisait dans les eaux du Nil et les habitants venaient y chercher de l'eau. Au XVIIIe siècle, l'accès aux eaux du Nil était la source de vie du Caire. C'est encore le cas aujourd'hui. La région du Caire a toujours été un centre majeur dans l'Antiquité en raison de sa position stratégique en amont du delta du Nil. Le siège du pouvoir pharaonique était alors la ville de Memphis. C'était la capitale de l'un des empires les plus riches et puissants au monde. L'histoire égyptienne compte de nombreux héros et beaucoup ont donné leur nom à des places et rues du Caire. Comme l'avocat, journaliste et activiste Mustapha Kamil, fondateur du Parti nationaliste égyptien. Sa statue domine la place du même nom, une main posée sur un symbole de l'Antiquité. Talaat Arb était un grand industriel et économiste. En 1920, il fonde la première banque détenue par des actionnaires égyptiens, la banque Misir. Il marque ainsi un tournant dans la création d'une économie autonome et d'une identité nationale libérée du joug des puissances coloniales. «
la statue de Talaat Arb se dresse tout naturellement à quelques mètres de la bourse du Caire. Le nom français du bâtiment témoigne de la longue implication de la France en Égypte et de la volonté du petit-fils de Mehemet Ali, Ismail Pacha, de reconstruire le Caire à l'image de Paris. Son ambition est proche d'être réalisée quand, en 1928, des dizaines d'années après la création de la Bourse, le très élégant hôtel cosmopolitain accueille ses premiers clients. Voici le palais d'Abdin, le siège du gouvernement égyptien. Il est le centre du pouvoir politique dès sa construction en 1863, mais aussi celui de la Révolution, quand le peuple égyptien se soulève contre la colonisation britannique en 1952. L'indépendance de l'Égypte sera proclamée le 18 juin 1953. À quelques mètres du palais, voici la place Tahrir, qui signifie « place de la libération » en arabe. Ce pivot de la vie kairote est le théâtre de plusieurs manifestations populaires, telles le rassemblement contre la guerre en Irak en 2003. C'est aussi le point de ralliement des manifestations durant la révolution égyptienne de 2011 et le printemps arabe. Les événements conduisent à la chute d'Hosni Moubarak après 30 ans à la tête du pays. Deux ans plus tard, la place est à nouveau l'épicentre de manifestations exigeant la démission du nouveau président Mohamed Morsi. Près de la place Tahrir se trouve le musée égyptien du Caire. C'est l'une des principales attractions touristiques de la ville depuis son inauguration en 1902. Plus de 100 millions de visiteurs ont admiré les 100 000 pièces de sa prestigieuse collection. Ce musée historique va être totalement rénové après le transfert de ses collections sur un nouveau site, le Grand Musée égyptien de Gizeh. Le premier invité de marque du nouveau musée est Ramsès II, ou plutôt sa statue. Ce pharaon a régné plus longtemps que tous les autres souverains de l'Antiquité égyptienne. Sa statue mesure plus de 11 mètres de hauteur et pèse 83 tonnes. Elle est restée presque intacte depuis 3200 ans. Le nouveau musée est spectaculaire et destiné à impressionner. Conçu comme le point de départ de nombreux itinéraires de voyage, il sera un passage obligé pour toute personne intriguée par l'égyptologie et ses nombreux mystères. La première exposition présentera plus de 5400 artefacts provenant de la tombe du pharaon Toutankhamon. Pour son ouverture, près de 100 000 objets issus de l'ancienne collection ont été inspectés, nettoyés et transférés dans ces salles.
Il est construit symboliquement au pied du site le plus sacré de l'Égypte antique, le plateau de Gizeh. Pour beaucoup de visiteurs, découvrir le plateau de Gizeh est une étape inoubliable d'une exploration de l'Égypte. Déambuler parmi les grandes pyramides est une expérience unique, un voyage à l'aube des civilisations. Entre la construction de la pyramide de Khéops et le règne de Ramsès II, 1300 ans se sont écoulés. Cela représente à peine la moitié de la période antique en Égypte. Pendant 3000 ans, les dynasties pharaoniques se sont succédées. Le pays s'est développé et a évolué. Et ces pyramides sont à l'image de l'histoire extraordinaire qui s'est déroulée en Égypte. C'est notamment ce riche passé qui attire les touristes en masse. Deux nouveaux aéroports internationaux, situés à l'est et à l'ouest du Caire, ont été inaugurés pour accueillir les visiteurs étrangers. En complément, un réseau routier est en train d'être mis en place pour relier tous les sites antiques du vaste plateau de Gizeh par bus électrique. Enfin, près du nouveau musée, un centre touristique est dédié à l'accueil des visiteurs. De la pyramide de Khéops au grand musée égyptien, le plateau de Gizeh subit une rénovation d'envergure. Il est également le point de départ d'une expédition prisée. La découverte du delta du Nil. Le fleuve est le fruit de la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu à Khartoum, la capitale du Soudan. C'est ici, dans le nord de l'Égypte, qu'il termine son long voyage de plus de 6500 km. Ses eaux irriguent de vastes étendues de terres agricoles qu'elles rendent particulièrement fertiles. Ce paysage aquatique contraste nettement avec le désert alentour. À son embouchure, le Nil se divise en plusieurs branches et se jette dans la mer Méditerranée. Près de 50 millions d'Égyptiens vivent dans le delta du Nil. Et parmi eux, 1 sur 10 habite ici, à Alexandrie. Alexandrie est une métropole moderne. Malgré les conflits, les invasions et les guerres, la ville est encore debout, preuve de la résilience de ses habitants. Certains éléments de son architecture témoignent de sa grandeur passée. Alexandrie a longtemps été une ville prospère et influente, au centre du commerce mondial pendant des siècles. C'était aussi un haut lieu de la science et de la philosophie. Le Caire est peut-être la ville la plus célèbre d'Égypte, mais Alexandrie a sans aucun doute davantage influencé l'histoire du monde moderne. En 331 avant notre ère, une ville portuaire se dresse déjà sur ce site. Elle s'appelle Rakotis. Avec ses temples en pierre et son port de commerce, elle bénéficie d'une solide réputation. Mais elle n'a pas la grandeur de Memphis. Et quand elle est envahie par l'armée la plus puissante au monde, elle n'a pas les moyens de se défendre.
À la tête de cette armée, Alexandre le Grand. Invaincu par les rois perses, alors affaibli et méprisé du peuple, il a déjà conquis l'Égypte. Galvanisé par la victoire, Alexandre ordonne la construction de sa nouvelle capitale, ici à Rakotis. Il ne vivra jamais dans la ville qui porte son nom, mais l'extension de son empire en Égypte déclenche un renouveau culturel et un véritable bouleversement social. Les influences helléniques envahissent la vallée du Nil. C'est le début du règne des Ptolémées, qui donne leur nom à l'époque ptolémaïque. Cette période mêle la grandeur de l'ancienne Égypte et la culture de la Grèce antique. Alexandrie devient vite l'une des villes portuaires les plus influentes au monde. Son phare spectaculaire domine alors l'entrée du port, du haut de ses 120 mètres. C'est l'une des sept merveilles du monde antique. Aujourd'hui, le phare n'existe plus, sans doute détruit par un tremblement de terre. Ces pierres auraient été réutilisées pour construire la citadelle de Kate Bay, le plus beau monument du port. Au bout de la corniche de 20 km, se dresse une reconstitution moderne de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. À son âge d'or, elle était un haut lieu des mathématiques, de la philosophie et de la littérature, et réunissait les ouvrages les plus importants de son époque. Pour les Grecs, cependant, la notion de prospérité ne s'appliquait pas à tout le monde, comme le suggèrent des textes égyptiens apocalyptiques datant d'environ 200 ans avant notre ère. Tous nos maux disparaîtront quand l'Égypte verra les étrangers tomber comme les feuilles sur les arbres. Bientôt, le port se videra de son eau et les pêcheurs n'auront plus rien à pêcher. Car l'esprit gardien nous a quittés pour Memphis. Et les gens de passage diront alors: ici se dressait la cité généreuse où vivaient toutes les races de l'humanité. Ces textes, dont il ne reste que de rares papyrus, évoquent une ville accablée par la guerre et l'intervention étrangère. Une situation qui se poursuivra jusqu'au XXe siècle. À une centaine de kilomètres d'Alexandrie se trouve le village d'El Alamein et son cimetière de guerre. Un mémorial rend hommage aux soldats du Commonwealth tombés lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant la bataille d'El Alamein en octobre 1942. De nombreux conflits ont marqué 2000 ans d'histoire égyptienne. Ils ont détruit des vies, ravager des cultures et saccager des villes un peu partout dans la région. Aujourd'hui, la paix est revenue à Alexandrie.
4 mois seulement. Quatre mois. C'est le temps qu'il aura fallu à Alexandre le Grand pour réorganiser l'Égypte. Mais pour atteindre son but, il a dû travailler d'arrache-pied. Il a défini l'emplacement de sa nouvelle capitale, a marché sur Memphis pour réclamer le trône, puis s'est aventuré dans le désert de l'ouest de l'Égypte, à plus de 500 km de toute ville, jusqu'à l'oasis de Siwa. C'est ici, au temple du dieu Amon, que l'un des grands oracles de l'Antiquité confirme le statut de divinité d'Alexandre le Grand en 331 avant notre ère. Après avoir gravi ses marches en homme, Alexandre les redescend en pharaon et en dieu. Une fois sa mission accomplie, il quitte rapidement l'Égypte. La vie quotidienne des habitants de Siwa ne change en rien après son passage. Appelés Siwi, ces habitants du désert voient longtemps défiler les rois venus prier dans ces temples isolés. La forteresse de Chali date du XIIIe siècle. Construite en karchif, un mélange d'argile de sel et de pierre, elle est érigée par les Berbères pour protéger la région des invasions. Ses occupants l'ont désertée depuis longtemps. Les anciennes habitations disparaissent chaque année un peu plus, érodées par le vent et la pluie rarissime. Il y a pourtant de l'eau en abondance dans cette oasis, à la fois douce et salée. Elle permet d'irriguer les cultures et crée des paysages singuliers. Les eaux de Siwa sont si riches en sel qu'il est récolté à des fins commerciales. Il est ensuite traité et emballé pour être vendu. Le sel de Siwa est prisé pour sa teneur en minéraux et sa saveur unique. L'isolement et l'histoire ont déterminé le destin hors du commun de cette oasis. L'eau joue un rôle fondamental en Égypte, comme le prouve son principal atout économique, le canal de Suez. Il occupe une position stratégique au nord de l'Afrique, à proximité du Moyen-Orient et de l'Europe, et relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Avant 1860, cette région n'était qu'un immense désert. Pendant 10 ans, entre 1859 et 1869, des hommes ont creusé le sable, souvent à main nue, pour créer cette voie maritime de 161 km de long. C'est une main-d'œuvre gratuite de paysans qui, au titre de la corvée, travaillent au creusement du canal. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux meurent pendant les travaux, notamment à cause du choléra. L'ouverture du canal de Suez a bouleversé la politique internationale, le commerce et l'équilibre du pouvoir. Le monde entier s'en est retrouvé à jamais transformé. Les ouvriers qui ont construit le canal de Suez construisent également cette ville, Port Saïd, à l'entrée nord du canal. Elle reste le principal accès pour les navires venus d'Europe, du Proche-Orient, de l'océan Atlantique et de la Méditerranée.
Ces navires peuvent ensuite rejoindre la mer Rouge, l'Afrique de l'Est, le Golfe d'Arabie et toute l'Asie. Port Saïd est une ville cosmopolite. Elle a prospéré dès l'ouverture du canal de Suez en 1869. Aujourd'hui, elle compte plus de 600 000 habitants. Ils vivent encore de la mer et de l'expansion du commerce international. Depuis sa création, les dimensions du canal de Suez ont presque doublé. Une deuxième voie navigable a dû être construite pour augmenter sa capacité et le nouveau canal a été inauguré en 2015. Pour la première fois, la circulation des bateaux est à double sens sur 37 km dans sa section orientale. Le temps de parcours n'est plus que de 11 heures au lieu de 18. Là où les deux voies se rejoignent, une installation rend hommage à l'histoire de cette infrastructure révolutionnaire. 104 mâts ont été plantés pour accueillir les drapeaux de chaque pays ayant emprunté le canal. À côté des mâts, se dresse une statue qui représente la déesse du ciel, Nout. Dans l'Antiquité, elle protégeait le soleil, la lune et l'âme des morts lors de leur ascension vers le ciel. Elle veille désormais sur les marins de passage, ses deux sphinx à ses côtés. Un autre mémorial rend hommage aux centaines de milliers d'ouvriers anonymes qui ont creusé le canal au péril de leur vie. L'histoire de l'Égypte est